Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo parce que tout simplement j'ai acheté un Astro Gaming, donc Astro la marque, A40, donc ça c'est le modèle, voilà. Plus un mixample pro, donc le mixample c'est celui-ci le poteau. Et ça, ce casque, c'est le surnom pour un YouTuber streamer, c'est le surnom. Parce qu'en fait le mixample, il va pouvoir... Normalement, hein. Donc ça, je fais cette vidéo à l'avance et vous l'aurez demain parce qu'il faut que je teste tout ça pour vous dire vraiment si c'est bien et tout ça. Mais le mixample, en fait, il va faire passer le son du jeu, du PC et voilà, déjà, rien que les deux sons, donc PC et console, je vais pouvoir tout avoir dans un seul casque. Et ça, c'est génial pour ceux qui sont sur PS4, tu vois. Alors le micro, apparemment, il est génial. Le casque, il est insane, du 7.1 Dolby, voilà. Après, moi, je m'y connais pas vraiment beaucoup en son. Mais je vais essayer d'installer tout ça. Alors je l'ai acheté pour 250 balles. Ouais, voilà, 250 balles. Le casque et le mixant. Donc là je vais faire un petit opening avec vous. C'est parti, hein. Alors déjà la boîte, elle est juste magnifique. Regardez, il y a des reliefs. Regardez un peu ça. C'est énorme. Regardez-moi ça. C'est trop stylé. Franchement. Et à l'arrière, je sais pas s'il y a... Ouais, non, il y a un petit truc quoi, mais sans plus. Non, franchement, trop stylé la boîte. Et en plus, elle s'ouvre comme... Voilà, comme ceci. Ah ouais, si, si. Ah ouais. Non, franchement, trop la classe. Regardez. Voilà. Alors ici, il y a encore un truc que je peux ouvrir. Ok, c'est les câbles. C'est les câbles. Et regardez le casque et le mixample. Donc voilà, alors je vais juste ouvrir ça. Là, il y a quoi? Il y a le micro, il y a un câble USB, il y a un câble jack, ouais, c'est ça, un câble jack, et l'autre, celui du milieu, je vois pas c'est trop c'est quoi. Celui du milieu. Alors celui du milieu, ah ouais, ok. C'est un truc que je connais. Ah bah non, c'est un câble. Comment on dit? C'est pour le son là qu'on met derrière. Un fibre optique? Un fibre optique, voilà, c'est un câble fibre optique. Mais quand même mastoc le câble. Ok. Donc je vais assembler tout ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Donc c'est parti, let's go. Ok, donc je viens de remarquer que sur le câble jack que je vais brancher de mon mixample à mon casque, ici j'ai un petit bouton mute. Donc ça c'est cool parce que quand même, comme ça je peux me muter pendant que je suis en train de vous parler en live ou quoi. Je me mute ici et vous m'entendez toujours avec mon micro parce que moi je vais toujours live avec ce micro-là. Ça, c'est le micro que vous m'entendez, vous. Et après, le micro, c'est ce que mes potes m'entendront, tu vois. Donc voilà, alors maintenant pour le casque, on va regarder à ça. Oh là là, c'est trop stylé. Ça fait un petit moment en plus que je l'attends. Ça fait genre une semaine que j'attends le casque. Franchement, 250 balles. Boum, cash. C'était pour mon anniversaire. C'est ma mère et ma soeur qui ont investi. Ils ont investi tous les deux 50 euros, je crois. Et moi, j'ai investi le reste, donc 150 balles. Mais franchement, il est vraiment stylé. Par contre, là, il y a une trace. Je ne l'ai pas touché, il y a une trace. Ok, de toute façon, bientôt, il y aura des griffes et tout dessus, donc on s'en bat un peu la steak. Alors. Ouais, c'est bien, il est confortable. Il serre pas trop la tête. Attends, est-ce que je peux le régler? Normalement, je peux le régler, non? Je regarde si je peux le régler, mais sinon, déjà à première vue, ça va bien. Ça va plutôt bien. Attendez, je vais regarder si je peux le régler. Ok, on peut le régler, l'agrandir et le désagrandir. Ça, c'est la longueur max, je pense. Ok, on va tester. Bon, le micro, il sera ici. Je sais pas, ça, attends, je sais pas. Non, je pense que c'est comme ça. Hein. Non, je pense que c'est comme ça. Là, c'est beaucoup trop grand pour moi. Alors, je vais resserrer. Ok, par contre, pour resserrer, c'est quand même assez... La résistance est assez forte, quand même. Ok. Ouais, non, là, il tient bien, là. Il tient bien, il tient vraiment bien. Alors, le micro, on va essayer de mettre le micro. Donc, voilà, le petit micro, il est bien pliable. On peut vraiment bien le mettre où on veut. Donc, ça, c'est assez cool. Mais sinon, franchement, ouais, il est... Qu'est-ce que vous en dites dans l'espace des commentaires? Hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même stylé, non? Même classe. Alors, le mixant maintenant.
Ok, donc le mix amp, c'est ça. Donc voilà. Ici, il y a un bouton pour régler le son du jeu. Donc si je le mets plus à gauche, ce sera le son du jeu. Et ici, si je le mets plus à droite, ce sera le son des voix que j'entends dans le truc. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un régulateur de bruit. Donc si par exemple, il y a une personne qui a un micro de merde et que quand il parle, il y a des petits grésillements ou quoi, ou qu'il gueule dans son micro pour te faire chier, ou qu'il mange ou quoi, eh ben il y a un régulateur de bruit normalement, et t'entends pas, enfin ça te pète pas les oreilles quoi. Et ça c'est déjà un gros avantage. Alors ici il y a un autre truc, je pense que ça c'est pour le volume, hein. Le volume là je suis à 0, et ici je suis à 50, puis là je suis à 100. Ok, donc on va le mettre à 100. Ici il y a un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre. Là il y a un petit bouton de statistiques, je sais pas toi, peut-être c'est un, ah ouais ça c'est peut-être un mode, genre mode gaming, mode cinéma, mode chic, mode chac, donc ça c'est sûrement pour changer les modes. Ici, ça c'est pour sûrement mettre en Dolby 5.1 ou 7.1, parce que je vois qu'il y a le casque avec les deux petits rectangles, DD, je pense que c'est le Dolby, hein, je suis pas un professionnel, hein, j'ai encore un débutant dans tout ça. Alors ici il y a un câble optique, voilà juste ici, et ici ça c'est super bien pour les streamers. C'est un jack de stream. En fait, tu mets ton jack de stream là-dedans et tout ce qui se passe par OBS, tous les sons de OBS seront redirigés dans ça et tu entendras, en fait, tu auras un retour sur ton stream. Donc, si tu branches tout, par exemple, le son de tes potes, le son de ton jeu, le son de ton PC, le son des alertes sub, des alertes dons, des alertes abonnement et tout ça, eh ben, tu auras tout dans ton casque. Tu vois, tu auras tout dans ton casque et après, ben, tu peux carrément jouer avec le son de OBS, quoi, tu vois. Tu mets tout dans le son d'OBS, puis après tu branches ça et puis t'es connecté directement et t'entends ce que tout le monde entend, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je pense que juste que ce serait un petit peu bizarre. Je sais pas si on s'entend nous-mêmes, mais il faudra que je fasse un test. Mais apparemment, mon pote, parce que ça a été conseillé par Papa Avengers, grosse dédicace à toi, je mettrai sa chaîne en description, bien sûr. Il m'a conseillé ce casque parce qu'au début j'hésitais, je savais qu'il me fallait un mix sample. Je savais pas trop quoi prendre, et comme lui il a pris ça, c'est lui qui m'a expliqué déjà ce que c'était le petit jack stream. Enfin bref. Après, il y a le USB ici. Il y a un USB, mais je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Je pense que c'est pour alimenter le boîtier. Ouais, je pense que c'est pour alimenter le boîtier. Ici, il y a deux trucs en plus. Donc ici, il y a... Ça, c'est bizarre, ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait, genre, tu mets ça. Un relié, un baf. Tu entends le gauche. C'est peut-être pour ressortir... Peut-être pour mettre des baffes dessus. De toute façon, c'est un mix-amp, donc logiquement, ouais, logiquement, je pense que c'est pour mettre des baffes. Parce que c'est des baffes. Donc je suppose que ici c'est gauche et ici c'est droite, tu vois, pour le son, tu vois. Alors ici, tu peux mettre ton casque. Là, c'est là que tu mets ton casque. Et ici, c'est pour mettre, par exemple, ton son de PC ou ton son. Par exemple, tu relies ce son-là à ton PC avec un jack et comme ça, tu entends le son de ton PC plus le son du jeu. Et il faut que tu mettes en optical. En optical, tu le mets à ta play. Après, tu peux faire l'inverse. Tu peux mettre l'optical à ton PC et le jack à ta play. Tu vois. Faut que voilà, ça peut relier une console Xbox, un PC ou alors un PC, une console PS4 ou alors deux consoles. Enfin voilà, ça peut relier pas mal de choses. Donc ça, c'est stylé. Alors maintenant, je vais tester ça. Tout aujourd'hui, je vais tout tester aujourd'hui et je vous dirai ce que j'en ai pensé demain, si c'est compliqué à régler et tout ça, ou si c'est franchement efficace le son, si mes potes ils m'entendent bien et tout ça. Je vous referai une petite vidéo demain, une courte vidéo de quelques secondes pour vous dire ce que j'en ai mon ressenti tout simplement. Et voilà, je vous tiens au courant demain et à tout de suite, parce que vous ça sera en une seconde, donc à tout de suite. Wesh, re les potos. Donc voilà, j'ai testé le casque après 24 heures de test, ouais même plus que 24 heures, et franchement il est juste insane les mecs. Alors avant de vous en parler plus, je tiens à faire une grosse dédicace à ma femme, à ma merveilleuse et magnifique femme qui investit dans ce cadeau, ce fabuleux cadeau, insane, énorme je te jure. Rien à redire, c'est le top du casque, j'ai jamais eu autant un casque aussi bon. Alors une grosse dédicace aussi à ma mère, parce que aussi elle a investi 50€ aussi dans le casque, donc un énorme merci à ma mère. Et bien sûr un énorme merci, une grosse dédicace à Papa Avengers qui m'a tout simplement aidé à programmer tout ça. Donc je mets
ma tête là, parce que sinon, je regarde ma tête et je regarde pas la caméra. Et ça me casse la tête. Il faut vraiment que j'apprenne à regarder cette caméra, tu vois. C'est plus pour vous, c'est mieux, quoi, tu vois. Mais moi, si je mets ma tête là, c'est mort. Je fais que ça, je me regarde, en fait, tu vois. Enfin, bref, on est là pour parler du casque, hein. Enfin, voilà, c'est une vidéo pour le casque, mais pour remercier aussi mes proches et mes potos et pour vous en parler un petit peu. Bon, si, c'est pour un peu raconter ma live aussi, non, tu vois. Non, je déconne. Mais voilà, regardez, truc de ouf, truc de ouf. Déjà, le casque, ça, regardez, juste ça, c'est énorme, ça. Hop, boum, j'ai cassé mon casque. Non, je déconne. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est de la mousse, mon gars. C'est de... On dirait de la soie, gros. On dirait vraiment de la soie. C'est... Oh, c'est insane. L'autre casque que j'avais, c'est genre du tissu, un peu comme ça aussi, mais c'est pas moelleux, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment moelleux. Je l'ai pendant, je sais pas, moi... 5 heures, 6 heures d'affilée, que dalle gros, que dalle, pas une pression, pas mal, pas de transpiration, tu vois, parce que voilà, je sais pas, c'est hermétique, hein, mais mes oreilles transpirent pas et tout, insane, insane. Alors vous avez vu, je peux carrément ben, les déboîter pour les nettoyer si je veux, mais je pense que, je sais pas si ça va donner une machine à laver ça, tu vois. Je sais pas, ça va se casser, tu vois, non? Ça va se casser? Bah, je sais pas. Franchement, celui qui a déjà essayé de mettre ça dans une machine à laver, n'hésite pas à me le dire si moi je peux. Parce que le mettre dans une machine à laver, j'ai l'impression que ça va casser un peu tout le bazar, tu vois. Donc, je sais pas si j'oserais le faire, tu vois. Alors, vous avez vu, hein, vous avez remarqué, je peux tourner les trucs, tu vois, au KLM, tu vois. Non, franchement, insane. Alors, le son. Mouah, un délice, les mecs, un délice. Je vais vous montrer un peu, déjà... vous montrer ce que je vais pouvoir faire avec le son et je vais vous montrer quelques petits détails que j'ai remarqué, c'est juste énorme. Alors déjà un truc qui est génial aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes. Les modes, je vais pouvoir les personnaliser, donc ça je vais vous le montrer. Deuxième truc qui est bien, c'est que je peux entendre le son de mon PC, mais ça je vous l'avais déjà dit, mais j'ai essayé, ça marche vraiment. J'ai branché le truc, mon exemple, à la PS4 et là déjà j'ai un son de Dolby 7.1. Normalement, sur console, t'as pas un son de Dolby 5.1. C'est le maximum que tu peux avoir. Je sais pas si ça crée un petit problème parce que j'ai dû relancer au moins pendant une demi-heure, j'ai dû relancer Call of. À chaque fois, ça me mettait une erreur d'application. Je me suis dit peut-être que c'est à cause du casque. Alors, j'ai débranché, j'ai enlevé le Dolby, j'ai remis normal, HDMI. Là, ça a fonctionné, j'ai su lancer le jeu. Je sais pas si c'est ça le problème. J'espère que ça me le refera pas. Peut-être que c'est une coïncidence. Mais bon, je vérifierai ça parce qu'il m'a fallu au moins 30 minutes pour comprendre ça venait d'où. Enfin, bref. Donc là, j'ai vraiment du Dolby 7.1, c'est juste énorme, j'entends vraiment extrêmement bien. J'ai un régulateur de son, comme ça, je vous l'avais dit. Je peux régler le son de mes poteaux sur le PlayStation, tu vois. Quand tu fais une partie vocale pour le PlayStation, tu peux régler si tu entends moins leur voix et tout. C'est juste énorme, énormissime aussi, parce que ben, les gens, parfois, ils ont des micros de merde et tout. C'est énormissime. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc là, on va passer sur l'écran de mon jeu et je vais vous montrer un truc énorme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti. Alors voilà, quand j'ai testé mon casque, je me suis mis ici plus ou moins ici. Donc j'ai testé mon casque pour entendre la différence du son. Alors juste, j'étais déjà scotché. Puis je sais pas, j'étais ici et j'entends un truc. Genre une sorte de moteur. Alors je me dis, mais quoi, il y a un véhicule ou quoi, il y a un truc qui tourne. Puis je me dis, bah c'est peut-être ça, tu vois. Puis bah en fait non, c'est pas ça et tout, je cherche, je comprends pas. Moi je m'attendais à un gros moteur quoi, tu vois, parce que je l'entends quand même assez bien. Et vous savez ce que c'est? Bah c'est ce truc là mon gars. J'entends ce putain de ventilateur là, tu vois, ce ventilateur de officiel, je l'entends. Alors je sais pas si quelqu'un a un casque ou quoi. Enfin, si quelqu'un a envie de tester, n'hésitez pas à aller tester directement. Vous allez près de la ferme là où je suis et vous essayez d'écouter si vous entendez le ventilateur tourner, tu vois. J'entends le ventilateur, c'est juste énorme, tu vois. Alors, il y a un autre truc. Je me pose ici. J'attends. Enfin, j'étais en train de chipoter au réglage. Et là, j'entends des trucs électriques. Voilà, c'est vrai que ça s'entend déjà un petit peu plus fort. Et puis, je remarque que c'est ce boîtier électrique, gros. C'est ça, tu vois. Mais j'étais choqué, gros. J'étais choqué parce que tout simplement, moi, j'ai pas de... Enfin, mon ancien casque, j'entendais pas ce genre de choses. Donc là, je me suis dit, what the fuck, le casque, il est insane. Donc franchement, je suis
satisfait à 300%. Alors, elle est quand même, pour faire ce que moi j'ai fait, il n'y a pas de tuto sur internet, tu vois, pour mettre le console et tout faire. La programmation qu'on a faite, enfin que Papa Avengers a fait, il n'y a pas vraiment de tuto sur Google, enfin sur YouTube. Donc, si jamais quelqu'un achète le casque et tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai peut-être de faire un tuto pour t'expliquer comment programmer tout ça. Pour que tu ailles le son du jeu plus le son du PC. Mais sinon, si tu n'as pas envie d'avoir le son du PC, franchement, c'est tout simple. Tu le branches à ta console, câble optical, fibre optique, voilà, tu fais ça et puis c'est bon, tu vois, c'est super facile. Alors maintenant, on va passer sur mon écran PC, tu vois. Donc voilà, là, on est sur mon écran PC. Ici, ils me disent que je dois connecter. Donc là, je dois appuyer 3 secondes sur le bouton d'alimentation pour qu'il change de mode, tu vois, pour que je passe en mode PC parce que j'étais en mode console, tu vois. Là, ma caméra, elle est de nouveau là, donc j'aurais tendance à regarder là. Ne fais pas attention, ok? Alors, ce qui est révolutionnaire avec ce casque, c'est que tu peux choisir tes propres réglages, gros. Tu vois, tu peux vraiment choisir tes propres réglages. Donc là, tu as déjà le truc. Bon, après, c'est un professionnel, il peut faire ça. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. Je sais pas faire ça. Parce que tu vois, 95 HS, 406 HS et tout. Donc moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement, là, j'ai le son du jeu, tu vois, j'ai le son du jeu, même si je l'ai branché sur le PC, j'ai toujours le son du jeu parce que je suis branché en câble optique, donc je peux modifier le son du jeu en même temps en étant ici, tu vois. Par exemple, ben, quand je tire, là, j'entends moins le tir, tu vois, par exemple, là, j'entends moins le tir. Là, je l'entends plus, avec plus d'effet, tu vois. Là, je l'entends plus stéréo, tu vois, je l'entends plus en stéréo, tu vois, ici. Ici, j'entends encore moins le son. Là, j'entends plus le pou, 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 tu vois, plus les basses et tout ça. Donc, je peux vraiment régler le truc comme j'ai envie, tu vois. Donc, il faudrait franchement, si je serais un petit peu plus professionnel, je vais regarder des petits tutos sur Google, sur YouTube, pour savoir comment bien programmer le son. Mais j'aimerais bien plus entendre le son des pas, moins le son des balles. Le son des balles, je m'en bats les couilles, frère. Je sais, quand tu tires, tu vois, je peux le repérer, tu vois, facilement, tu vois. Mais quand tu marches, mec, c'est vraiment ça qu'il faut que je repère, tu vois, pour savoir où est-ce qu'il est, tu vois. À droite, à gauche, en haut, en bas, tu vois. Donc, j'aimerais bien augmenter un peu plus le son des pas, tu vois. Mais, donc ça, c'est déjà, là, il y a déjà 4 trucs de base. Donc, t'as juste à appuyer sur un bouton pour mettre les 4. Donc, moi, je mets tournament parce que, ben, je suppose que c'est le meilleur réglage. Après, ben, tu peux ici aller dans paramètres avancés, et c'est ça qui est juste énorme. Donc là, ils te mettent un avertissement parce qu'il faut que tu sauvegardes avant, au cas où tu... Parce que si t'es pas un professionnel, tu peux avoir des trucs complètement défoncés, quoi, tu vois. Tu comprendras plus rien au jeu parce que tout sera totalement déréglé. Donc après, ben là, t'as plus de trucs, voilà, je sais pas, tu vois. Oh là là, j'ai touché à un truc, moi, je touche plus à rien, tu vois. Là, ça me fait peur, je touche à rien, tu vois. Mais tu vois, tu peux toucher blindé de bazar, tu vois, blindé, franchement, c'est full, tu vois. Vraiment full. Paramètres, niveau, bande passante et tout, frère. Trop compliqué pour moi, tu vois. Moi, je touche pas à ça, tu vois. Pas pour l'instant, en tous les cas. Alors, tu peux régler aussi ton microphone. Donc, si tu fais de la diffusion en nuit, en maison, en tournoi, donc c'est un filtre pour chaque truc que tu veux faire. Donc, ça, c'est assez cool. Tu peux régler le microphone USB, l'effet local, donc l'effet de ta voix, tu vois. Tu peux ici, par exemple, paramètres de diffusion, bah, régler... l'auxiliaire, le chat, le jeu, le microphone, en plus de la roulette que tu as, plus les deux roulettes que tu as sur le mixamble. Hein. Tu peux vraiment régler pas mal de choses. Et ici, bah, tu as le mode console et le mode PC. Donc voilà, moi je suis en mode console. Si maintenant je fais les réglages en mode PC, ok. Je pense que... Attends, je vais essayer un truc. Donc je vais mettre ça à 7. Je vais sur mode console. Il est toujours à 7. Non, je crois que c'était... on pouvait régler par rapport au truc, mais non, en fait, rien à voir. Mais voilà, là tu as le mode PC, mode console. Rétablir. Ok, donc je sais pas trop à quoi ça sert ça. Mais bon, voilà, tu vois, tu peux faire vraiment extrêmement beaucoup de choses. Il y a mise à jour de logiciel, il y a tout. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce casque. Il est juste, franchement, énorme. Donc attendez deux petites secondes. Boum, face cam. Donc franchement, ce casque est juste énorme. En plus, il me donne les deux petites antennes... des aliens, tu vois, ici, tu vois, non, je sais pas. Non, franchement, c'est assez stylé. Même ici, le petit bord, là, il est en or, comme ça, en argenté or, tu vois, c'est assez stylé. Flexible, hein, franchement, assez flexible et tout. Franchement, j'ai rien à dire, gros. J'ai juste un mot sur 10 sur 10, ben, je mettrais un 9,5, quoi, tu vois, franchement, parce que
Je mettrais même un 10, tu vois, parce que j'ai jamais frôlé la perfection comme ça. Bon, après, le prix, qualité-prix, c'est cher. Tu vois, ça coûte 250 balles. 250 balles, c'est quand même cher. Mais bon, je trouve que ça vaut le prix. Largement, ça vaut le prix parce que c'est vraiment de la qualité professionnelle, hein. C'est vraiment ouf. Donc, pour un streamer console Xbox, je vous le conseille. Parce qu'il y a un mix sample et tout. Mais pour ceux qui sont sur PC, il y a sûrement mieux. Meilleur casque, qualité free, il y a sûrement mieux. Mais pour un joueur console, je te conseille vraiment cet assemblage. Donc Astro Gaming A40 avec un mix amp, tu vas faire un carnage, gros. Tu n'auras plus de problème de son, tu vas pouvoir bien jouer, bien être concentré, régler le son des microphones des gens et tout. Franchement, faire une tuerie avec ce truc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore un grand merci à mon amour. Je t'aime, mon amour. I love you. Grand merci à ma mère et à Papa Avengers. Un grand merci à vous tous, hein, les potos. À toute la communauté. C'est grâce à vous que je suis là. Merci à tous. Je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soir cool. Non, c'était soir cool, mec. Non, c'était soir cool, Mike. Enfin, c'était soir cool, mec aussi. Et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.